Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour l'event de Céleste. On va essayer d'éviter de prendre trop de retard sur les petits events. Surtout qu'il n'y en a pas des masses en ce moment sur Dissidia à voir. Donc il recommande d'avoir fini le chapitre 8 avant de le y jouer. Pourquoi pas. Est-ce que c'était le dernier d'entre eux? Nani? Ah, ce n'est pas fini. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Sensei, Sion! Ah, merci, merci de vous avoir trouvé. Pourquoi êtes-vous... Et quelque chose ne va pas. Non. Vous êtes juste des imitations. Il semblerait que je n'ai pas le choix. Mais combattre... Combattre non-stop, oui, forcément, je l'aide pas. Ça marche pas, ça, d'accord. Dans le doute hein, que ça attaquait Squall. Allez, les retrouvailles. Ah, l'armure Magitech. Bonjour à toi. Elle a souffert, je crois. J'essaierai d'être moins violent la prochaine fois. Enfin, plutôt d'abréger les souffrances plus vite. Général invaincu. Le ciel bleu et les nuages. Si seulement je pouvais prendre le Blackjack pour faire un tour, ça serait parfait. Il y a quelqu'un ici? Céleste! Waouh, quelle surprise! Donc tu es toi aussi. Plus un pas. Ne t'approche pas de moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est rare de t'entendre dire une... D'entendre plaisanter dessus. Je ne plaisante pas. Tu pensais que tu pourrais m'avoir à nouveau... Il peut parler? Et il ne ressemble pas aux autres. Bien sûr. Tu as rencontré plusieurs mannequins. Il semblerait qu'il y en ait beaucoup par ici. Comment ça va pour toi? Céleste chère, la brillante
chevalière Magitech de l'Empire de Gestal. Ouais, tu as gagné. J'ai gagné la réputation d'être général invaincu. Pas besoin de mentionner également ton. Ta beauté, ton. Et ta superbe voix. Pourrait être dans un opéra. Suis-je pas bien informé? Tu doutes de moi? C'est vraiment toi. Bienvenue dans un monde rempli de mystères. C'est bon de te retrouver, Céleste. Ah, il est là, Cedzer. Tu veux regarder le ciel encore? Non. Et qui avons-nous là? Tiens. De quoi, si ce n'est pas la dame Céleste? Non. Un ami de César et sien? Ça veut dire que c'est un nouvel ami pour nous? Si c'est un ami d'Edgar aussi... Alors, qui êtes-vous tous? Un monde différent, guerrier de la lumière. Et d'autres nouvelles... Ah oui, d'accord. Des nouveaux résistants. Là, c'est pas facile de tout expliquer en un court laps de temps. C'est si compliment, ça fait sens pour moi. Tu parles des choses si facilement. Nous ne sommes pas seuls, Terra et Shadow sont là aussi. Ne t'inquiète pas. Et Kefka. Sa menace était aussi présente. Ce vilain veut plonger le monde en ruine encore. Nous ne le laisserons pas faire librement. Je suppose que je n'avance pas trop en disant que tu vas nous rejoindre. Tu as une dent contre avec Kefka, enfin, toi aussi apparemment. Ce n'est pas le seul qui nous ne plaît pas. Tu pourras nous aider, bien sûr. Je n'ai aucune raison de décliner. Ravi de me joindre dans vos rangs. Nous allons nous occuper de leurs ambitions. De leurs viles ambitions, voilà. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Hein. Allez. Du coup, on poursuit la progression. Et comme vous voyez, j'ai pas encore finalisé le chapitre 8, ni attaqué le 9. Mais ça va pas tarder à arriver. Ça va pas tarder à arriver de voir que je m'en suis occupé. Pour le chapitre 8, c'est pour l'instant, il y a. J'ai pas encore finalisé tout le mode difficile, mais j'ai quelques missions que. C'est un peu une galère. C'est un petit peu une tannée, comme on dit. Allez, la souris, réponds, merci. C'est suffisant, tant mieux. Alors, petit adversaire, qui es-tu? Un Axel Turbo. C'était pas de toi que je voulais faire en fait comme compétence, mais c'est pas grave. Et...
Bon, pour l'instant, l'accès le turbo est sympathique, mais est-ce que ça va continuer de la sorte? Ça m'étonnerait fortement. Bon voilà, ça se fait tranquillement en deux chacun. Bon, tant mieux, hein. Ah, c'est 100 KO, je sais pas. On s'en fout. Le vrai qu'on s'en fout, très bien. C'est turbo. C'était lui que je voulais faire. Ah, une attaque de groupe, d'accord. Détails un petit peu. Voilà, donc single target parabolo, axel beam. Le potentiel augmente en utilisation successive, d'accord. Donc le boost tackle, ça je pense que j'aurai au prochain combat. Donc augmente le. D'accord. Hyper beam, hyper tackle. Magique, ça c'est mieux chargé. Voilà, c'est ça, il a juste. Ok. Résistance. D'accord, grande résistance à la diminution de la vitesse. Il peut être empoisonné, paralysé. D'accord. Plus ça
vous arrivez à mettre un speedrun, c'est cool. Bravo, Terra. La tiers pour Céleste. Yata. Les règles du monde. Avant de nous rencontrer, vous avez attaqué par des mannequins, donc par des homoncules, les homoncules de Setzer et Sien, c'est ça? Oui. Ils ressemblaient tellement, je suis désolé d'admettre que j'ai baissé ma garde. Les choses, c'est sûrement. C'est parti sûrement du travail. Quand j'ai vu pour la première fois l'homoncule de Seymour, je n'ai pas pu lui parler. Il ne pouvait pas m'avoir. Je n'ai jamais vu le vrai Galuf de la sorte. Allez, tiens. En d'autres termes, si nous voyons un homoncule de quelqu'un, ça veut dire que cette personne se trouve quelque part dans le monde. C'est une conclusion naturelle. Mog dit que les homoncules sont créés par Spiritus. Si tu crois ce qu'il raconte, je ne crois pas qu'il mente. Bien, bien. Argumenter ne nous mènera nulle part. Mais ce qui est sûr, pourquoi Spiritus souhaite faire des copies? N'est-ce pas lui et la déesse qui nous ont invoqués sur des mauvais termes? Ravi de revoir des alliés combattre les uns contre les autres. J'ai pointé mon épée devant cette zère. Je veux dire qu'il essaye de tous nous monter les uns contre les autres. Ça ne nous explique pas le. Ça ne nous explique pas les homoncules de nos adversaires qui viennent de ces profs, de ces mondes aussi. Ah bon, ouais, c'est peut-être pas ça en plus. Les homoncules apparaissent habituellement dans ou autour des distorsions. Ouais, c'est une chose que tout le monde a pu constater. Il faudrait connaître la source des homoncules à temps, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup d'ennemis avec les homoncules aussi. Donc Spiritus a créé les homoncules de quiconque est arrivé. De tout le monde qui proviennent des distorsions. Et il les place sous le contrôle des guerriers qu'il a invoqués. Est-ce qu'elle a raison? Je ne veux pas sauter sur quelconque conclusion. Même si j'ai mes raisons. Je questionnerai Mog à nouveau. Peut-être qu'il a quelque chose de nouveau à nous apprendre. J'irai avec toi. Il y a plein d'autres choses que je souhaiterais connaître aussi.
Ah, les retrouvailles des filles. Ouais, d'accord. Allez. Petit 4, petit 4, petit 4. Parce qu'après, pour le 5, il faudra que je fasse appel à l'allié pendant le combat. Se protéger presque plus ou moins mutuellement. Ah, ah mais j'aurais dû attaquer. Je suis bête. Bon, j'ai perdu. Tant pis. Bon, je pense pas que ça sera le tour qui me manquera à la fin, mais... Bon, ça en soi c'est pas dramatique. Ben voilà, très bien comme ça. Pourvu que ça dure. Bon, j'y crois moyen, mais bon. Ouais, sacrée efficacité quand même. Et allez, et la petit 5. Hop, on va partir avec... Au cas où que... Voilà, ça se passe pas forcément très bien. Oh.
Mince. Ah, le nul. Ben voilà, on fait un petit peu de choses qui s'enchaînent quand même. J'ai 50 pour bon, m'en débarrasser. Bon, déjà, ça commence très mal. Ouh, les deux d'un coup, c'est bon ça. C'est pas le bon que j'ai fait. C'était l'autre, à part le nul.
Alors, je pense que c'est trop tôt, mais il faut que je le fasse à un moment donné. Ok, quoi, juste défense. Ouais, pour l'instant, je peux faire ça. Oula. Mince. C'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Retour du défense, d'accord. Alors, Lightning. Merci. Merci, l'allié, pour la réussite. Merci, l'allié. On est là pour ça. Ouais, dommage que c'est pour le score, mais bon. À défaut d'avoir autre chose, voilà. J'ai réussi, moins du premier coup, cette fois-ci, j'ai pu le faire. Ce n'est pas le cas des fois d'avant ou les fois précédentes où j'avais pas réussi la numéro 5. Donc c'est là-dessus que je vous laisse pour cet event. Je vous retrouve bientôt pour d'autres events sur Opera Omnia. Et qu'est-ce que j'ai d'autre, je ne sais plus. Ah si, j'ai quand même terminé sur un petit truc que ça fait longtemps que... que ça n'a pas vu. Voilà, un petit tirage. Ah, génial. J'ai trop de loot, j'ai trop d'objets. Ah là là. Qu'est-ce que je vais faire?
Mais non, je vais bien trop chez ça. Ah, j'ai arrivé. Voilà, du sel. Ah oui, c'est vrai que c'est que par 10 en plus. Voilà, on va faire deux fois des ventes, comme ça, ouais, c'est fait. Alors, vais-je être chanceux ou pas sur le tirage en question? On va voir ça de suite. Oh, que 5-3 étoiles déjà, c'est beau. Oh, deux armes, c'est bon ça. Donc Ida et Laguna. Donc il y a 35 CP en plus de d'Ida, c'est bon ça. Bon ça de... D'accord, c'est bon. Bon, ben... Voilà, pas mécontent de ce tirage. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt tout le monde.